Les appels d'offres de la CRE, ça vous parle? Vous êtes une structure publique ou privée et vous candidatez à un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Votre projet porte sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Vous devez constituer une garantie financière pour permettre la bonne réalisation de votre projet ou la remise en état du site. Comment justifier de sa garantie financière? En consignant cette somme à la Banque des Territoires. Tiers de confiance, nous assurons la protection de vos fonds. Je suis Vincent Malfer, directeur général du groupe CERL, qui œuvre dans le champ de l'aménagement urbain, de la construction d'équipements publics, de l'investissement immobilier et des énergies renouvelables. Stéphane Casté, je suis le directeur général de la SEMENR64. C'est une société qui porte et qui développe tout type d'énergie renouvelable, principalement sur le territoire, sur le département des Pyrénées-Atlantiques. On a eu recours à la consignation auprès de la Banque des Territoires dans le cadre d'un projet de développement d'une toiture photovoltaïque sur un des projets immobiliers qu'on développe sur le port Édouard Herriot à Lyon. C'est un projet immobilier de 28 000 m² qui vise à offrir aux logisticiens des solutions pour optimiser leur livraison du dernier kilomètre vers le cœur de l'agglomération lyonnaise en moyen de transport décarboné. Le recours à la consignation s'est fait dans le cadre de ce projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Bénéjac. Ce projet de centrale au sol est réalisé sur un ancien centre d'enfouissement d'une surface de 5 hectares. Donc là, on valorise un site qui était dégradé pour y installer un projet qui utilise des énergies renouvelables. C'est une centrale qui fournit à peu près l'équivalent de la consommation électrique de la moitié de la population. La consignation visait à répondre à une exigence de la Commission de régulation de l'énergie dans son appel d'offres. Elle demande une forme de garantie d'exécution des projets. Sans la consignation, on n'aurait pas pu répondre à l'appel d'offres et donc en être bénéficiaire. C'était un produit qu'on ne connaissait pas et qui nous a paru parfaitement correspondre aux besoins à l'instant où on y a recouru. C'était notre premier projet et il s'est trouvé que dans la chronologie, ça a été une procédure assez simple et qui rentrait complètement dans notre planning, en tout cas qui nous a permis de ne pas reperdre du temps si on avait dû passer par une garantie bancaire. Donc ça a été une opportunité dans le déroulé de l'opération. On s'est tourné vers la direction régionale de la Banque des Territoires, donc qui nous a aiguillé vers le formulaire en ligne. Et finalement, tout ça s'est bouclé en quelques jours, ce qui correspondait parfaitement à nos problématiques de délai. Cette consignation nous est apparue un moyen simple, rapide. Ce qui nous a plu, d'autant qu'on est une petite structure, on est simplement 4 salariés, c'est la simplicité, la facilité du dossier. Donc l'avantage de la garantie, c'est que c'est gratuit. À la fois dans le dépôt, toute la procédure coûte absolument rien. Et les placements, au moment de la restitution, on récupère des intérêts. Donc on gagne en plus un petit placement.